Entrez. Le témoin, Jules-Henri Lardenois. Le témoin? Oui. Le témoin, Jules-Henri Lardenois. C'est inouï le nombre de gens que je peux ignorer. C'est incroyable. Je ne connais pas tout. Ça fait de l'argent, cette pièce. Comment? Cette pièce fait de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il vient, monsieur le président. Ça vient. Oh, c'est bon pour... Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite, dites, je le jure. Ça y est, c'était fatal, ça. Où qu'on aille, on est toujours été de la même façon. Ça, qu'est-ce c'est... que vous dites? Je dis où qu'on... Faudra réparer ça, hein. Ça c'est pas possible, ça. Je dis qu'où qu'on aille, on est traité de la même façon. T'es fou, vous prenez le métro, vous avez votre ticket? Voyez-vous, la suspicion, comme si on était un homme à prendre le métro sans avoir de ticket. Vous descendez d'un train, est-ce que vous n'avez rien à déclarer? Voyez-vous, la suspicion, toujours. Vous demandez la main d'une jeune fille, hein? Alors, vous demandez sa main, vous faites un contrat, tout est en règle, parfait. Quelle est la première question qu'on vous pose? Consentez-vous à prendre pour épouse? C'est la suspicion, toujours. Voyez-vous, comme si on était un homme à avoir fait tous ses frais sans être virtuellement consentant. Hein? Dites, vous n'entendez pas bien, vous. Et enfin, ici, un tribunal, où c'est l'occasion jamais de dire la vérité, eh bien, on vous demande de jurer si vous allez la dire. C'est, vous savez que c'est affreux d'être toujours traité comme ça, comme un faussaire ou un menteur. Ou ça... Est-ce que vous allez vous taire à la fin? Oui, monsieur, non, sans un vif regret. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Là, voilà, satisfait, j'espère. Bon, là-dessus, je m'en vais. Comment vous vous en allez? Vous n'avez rien dit. Comment vous... Oui, bien parler maintenant. Comment rester? Mais vous... Mais croyez-moi ce que vous avez dit. C'est vous qui m'avez dit de me taire, monsieur, il n'y a pas... tout. Enfin, je vais dire tout de même. Il faudra réparer ça, c'est pas possible, n'est-ce pas, hein? Bon, et écoutez, je ne vais par conséquent parler, je ne suis pas de ces gens qui se lancent dans des phrases sans avoir seulement prévu comme ils les finiraient. Vous savez, quand je commence une phrase, je pense à ma phrase, et alors j'entrevois la fin. Alors dès le départ, une fois que j'entends là, hop, je bondis, on va se casser la figure. Là, je bondis, comme je bondis. Et bien, alors vous entendez toujours. Ben oui, c'est fatal. Alors je vais par conséquent vous jeter des pétards de clarté. Enfin, des pétards de clarté. Qui l'a dit pétard? Qui l'a dit pétard? Une anglaise charmante d'ailleurs, pas, dont je n'ai pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas, même pas de l'autre. Alors je vais m'en faire. Mais enfin, revenons à cette petite fille. J'étais tout auprès d'elle de la fruitière quand elle l'accusa. Et moi, Jules-Henri Lardenois, fils d'une mère bretonne et d'un père alsacien. C'est un père alsacien, ce qui tout de même n'est pas de la petite bière. Car ça n'est pas de la petite bière. Je ne touche plus à ça parce que je vais me faire mal. Enfin, ce n'est pas de la petite bière. Eh bien, je jure que je n'ai pas vu cette charmante enfant prendre le moindre fruit à la devanture de cette fruitière dont je ne dirai rien, car je ne sais rien sur elle. Mais qui tout de même, elle a une drôle de vie. Elle a une drôle de vie, vous savez, c'est un petit peu vous. Mais alors, au lieu d'être coupé comme ça, c'est tout à fait de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Vous êtes plus drôle, vous. Ah, moi, je vous trouve beaucoup plus drôle. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que, vous toujours... vous secouez, même... Enfin, et il y avait des fruits, hein. Il y avait des pommes. J'ai compté, il y avait 237 pommes. Des pépins, beaucoup plus. On ne peut pas, ce qui vous laisse penser, nombre de pépins. Bonjour, oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est une affaire correctionnelle qui doit se plaider dans la journée. Alors vous n'avez rien à faire ici? Ah bon, bah pourquoi vous trouvez-vous aux assises? J'étais fatigué. Ben alors je suis venu. Ah non, enfin, non, allez, enlevez-nous cet homme-là. Je vais vous dire, je m'enlève et je vais vous dire un petit bonsoir. Un petit bonsoir, parce que dites-moi, vous devriez mettre de l'huile bouillante. Là, ça bouge, au revoir, petit bonhomme. Bon. Ça fait comme un deuxième service, là. Grand gamin. À bientôt. Que personne ne se dérange, surtout ce n'est pas à la peine. Je connais pas. Chaude, bien chaude, l'huile, hein. Au revoir. Et au revoir.